Bonjour tout le monde, c'est Jade. Donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom. Je sais, ça fait un moment que je n'en avais pas fait. Donc ce sera pour vous apprendre à réaliser une couronne. Vous savez, les couronnes pour Noël qu'on met derrière les portes et tout ça. Donc c'est assez simple à faire. Donc au niveau des bandes, vous aurez besoin de 40 bandes vertes et de 9 bandes rouges. Donc pour faire les 5 points rouges autour de la couronne et pour faire un petit nœud en haut de la couronne. Après, vous aurez juste besoin d'un crochet pour cette création-là. Vous n'aurez pas besoin de machine inutile. Alors, on va tout de suite commencer. Donc, vous allez prendre tout d'abord 5 bandes vertes que vous allez placer comme ça sur votre doigt. Vous prenez une bande verte. Donc, moi, mes bandes sont un peu abîmées. Excusez-moi, elles ne sont pas terribles. Alors, vous rentrez vos 5 bandes tout d'abord dans votre crochet. Comme ceci. Les 5 bandes. Ensuite, vous prenez une bande et vous passez votre bande à l'intérieur des 5 bandes et vous ramenez sur votre crochet. Vous devez créer une petite chaîne comme ça. Après, vous prenez encore une bande que vous rentrez à l'intérieur de la dernière bande que vous aviez sur votre crochet. Voilà. Donc là, vous pouvez vous créer un repère. Donc je ne l'ai pas dit, vous pouvez prendre une bande d'une autre couleur qu'on enlèvera ensuite après. C'est juste un repère. Donc vous rentrez ici à l'intérieur et vous allez faire un nœud. Donc c'est juste quand on aura terminé la couronne pour voir où est-ce qu'il faut récupérer la dernière bande, c'est tout. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous n'en avez pas envie. Alors après, vous rentrez bien sûr votre crochet à l'intérieur de la fin de votre petite chaîne là. Ensuite, vous prenez une bande rouge et vous allez effectuer 4 tours. Donc comme je vous l'ai dit, il va y avoir des points rouges dans la couronne. Donc vous faites 4 tours sur votre crochet. Ensuite, vous prenez encore une bande verte. Donc vous rentrez votre crochet à l'intérieur des 5 bandes. Donc ça doit se positionner comme ça. Prenez votre crochet et vous rentrez à l'intérieur des 5 bandes. Ensuite, vous prenez une bande que vous passez donc à l'intérieur des 5 bandes, oui. Et vous rentrez vos 4 tours à l'intérieur de cette même bande. Ensuite, vous ramenez la bande sur votre crochet, donc vous devez obtenir ça. Après, vous prenez une bande verte. Et vous allez passer tout ce qu'il y a sur le crochet dans cette bande. Donc là, je prends cette partie-là, puis la deuxième partie verte. Ne me préoccupe pas de l'élastique noir. D'ailleurs, le mien est en train de s'échapper. Donc c'est pas la peine de le serrer trop puisqu'on va l'enlever après, mais au moins que ça tienne. Alors après, je repars. Et donc là, je vais faire ce que j'ai fait au tout début. Donc à chaque fois, c'est toujours la même manœuvre. Donc vous rentrez une bande, donc soit vous avez les 4 tours à passer, soit vous rentrez une bande dans les 5 tours, puis après vous rentrez une bande dans la bande que vous venez de passer dans les 5 tours. Et après, donc là, la deuxième bande, vous la passez tout à l'intérieur de votre crochet. Donc tout ce qu'il y a, vous le prenez, puis vous repartez à chaque fois. Donc je vais bien sûr le remontrer, puisque de toute façon, je ne peux pas faire de pause. Donc je vais faire toute cette partie-là. Ça va prendre au moins une dizaine de minutes. Donc là, vous repartez ici, vous rentrez dans vos 5 bandes, donc c'est toujours la même manipulation. Sauf que cette manipulation-là de vert, vous allez la faire 2 fois avant de remettre du rouge. Donc là, vous rentrez votre bande verte à l'intérieur des 5 bandes. Ensuite, vous prenez une bande et vous passez bien sûr la deuxième bande, vous passez le tout ce qu'il y a sur votre crochet, vous passez à l'intérieur de votre bande. Voilà. Cette manipulation, vous allez la faire une deuxième fois avant de remettre du rouge. Donc là, vous rentrez votre crochet dans les 5 bandes. Ensuite, vous prenez une bande que vous passez à l'intérieur des 5 bandes. Et là, raté. Je regardais dans la vidéo, c'est pas évident. Hop, je passe ma bande dans les 5 bandes. Ensuite, je prends une bande verte et je passe tout ce qu'il y a sur mon crochet à l'intérieur. Voilà. Et là, je repars, donc je vais remettre un point rouge autour de ma couronne. Donc pour faire ça, je prends une bande rouge. Bon, je vais le mettre là parce que c'est pas pratique. Alors, je prends une bande rouge et j'effectue 4 tours tout d'abord sur mon crochet. Voilà. Ensuite, je prends bien sûr une bande verte. Je rentre tout d'abord mon crochet dans les 5 tours. Voilà. Ensuite, je prends ma bande verte au bout de mon crochet. Je passe à l'intérieur des 5 bandes. Ensuite, je passe mes 4 tours à l'intérieur de la bande verte qui est au bout de mon crochet. Hop, je passe les 4 tours. Faut que j'arrête de dire les 5 tours. Je confonds avec les 5 bandes. Et après, je ramène l'autre côté sur mon crochet. Ensuite, je prends une bande verte et je passe tout ce qu'il y a sur mon crochet à l'intérieur de celle-ci. Donc,
je rentre tout ça à l'intérieur de ma bande. Et donc là, on repart, on refait la manipulation deux fois. Et là, ce sera que du vert. Et ensuite, on replacera une petite boule rouge, si on peut dire une boule rouge. Alors là, je rentre dans mes 5 bandes. Je prends une bande verte que je fais passer à l'intérieur de mes 5 bandes. Et je ramène sur mon crochet. Ensuite, je prends une bande et je passe le tout à l'intérieur. J'espère que c'est clair pour vous, qu'on n'y voit pas trop mal avec la vidéo. J'essaie vraiment de faire de mon mieux. Alors après, je reprends une bande. Je rentre dans mes 5 tours. Je fais passer une bande à l'intérieur de mes 5 tours. Ensuite, ah, oulala, elle est pourrie celle-là. Je vais l'acheter. Désolée. Alors, je rentre, excusez-moi, mon crochet dans les 5 tours. Je prends une bande. Je la passe à l'intérieur des 5 tours. Ensuite, je prends une bande. Et je passe le tout à l'intérieur. Comme ceci. Alors là, je ne sais plus si j'ai mis... Oui, c'est bon. Donc là, on va devoir replacer du rouge. Donc là, je prends une bande rouge. Et j'effectue 4 tours sur mon crochet. Comme ceci. Ensuite, je prends une bande verte. Je passe mon crochet à l'intérieur des 5 bandes. Je prends la bande que je rentre à l'intérieur des 5 tours. Ensuite, je passe mes 4 tours rouges à l'intérieur de celle-ci. Puis je ramène l'autre côté sur mon crochet. Et ensuite, je prends une bande et je passe le tout, tout ce qu'il y a sur mon crochet à l'intérieur. Donc là je repars, je vais faire deux fois que du vert. Donc là je repars dans mes 5 bandes. Je place un élastique à l'intérieur, puis je le ramène sur mon crochet. Ensuite je prends une bande et je place le tout, tout ce qu'il y a sur mon crochet à l'intérieur. Comme ceci. Après je recommence cette manœuvre une deuxième fois, donc je rentre dans mes 5 tours. Je prends ma bande que je passe à l'intérieur de mes 5 tours. Et ensuite, je prends une bande et je passe le tout à l'intérieur. Donc, j'espère que c'est assez clair. Après, c'est répétitif, hein, c'est toujours la même chose. Voilà, donc ça fait deux fois que je le fais. Donc là, je repasse pour mettre du rouge. Alors, je prends une bande rouge et j'effectue 4 tours sur mon crochet avec cette bande rouge. Ensuite, je prends une bande verte. Je rentre mon crochet à l'intérieur de mes 5 tours. Je prends la bande que je passe à l'intérieur de mes 5 tours. Ensuite, je passe mes 5 élastiques, excusez-moi, pas les 5 tours. Ensuite, je passe les 4 tours de l'élastique rouge dans cette même bande verte qui est au bout de mon crochet. Ensuite, je ramène l'autre côté vert sur mon crochet. Puis, je prends une bande et je passe tout ce qu'il y a sur mon crochet à l'intérieur de celle-ci. Comme ceci. Là, je recommence la manipulation de vert, donc je fais ça deux fois. Donc je rentre dans mes 5 tours. Je prends une bande verte que je passe à l'intérieur de mes 5 tours. Ensuite, je prends une bande et je passe tout ce qu'il y a sur mon crochet à l'intérieur. Et je ramène sur mon crochet. Je recommence, je passe dans mes 5 tours. Je prends une bande que je passe à l'intérieur des 5 tours. Je la ramène sur mon crochet. Je prends une bande et je passe le tout à l'intérieur. Et de nouveau, je vais mettre du rouge. Donc là, je prends une bande rouge. J'effectue 4 tours sur mon crochet. Ensuite, je prends une bande verte. Elles ne sont pas terribles ces bandes. Alors, je rentre à l'intérieur de mes 5 bandes. Excusez-moi si je dis tour, des fois je me trompe. Alors après je passe mes 4 tours rouges à l'intérieur de la bande qui se trouve au bout de mon crochet, celle-ci. Je passe le tout à l'intérieur. Enfin, les 4 tours. Ensuite je ramène la bande verte sur mon crochet. Je prends une bande verte. Et je passe le tout à l'intérieur.
comme ceci. Donc là, il faut que je compte à l'extérieur. Donc je pars de mon repère, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai mal compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc je dois arriver à 15 vers à l'extérieur. Donc je refais encore une fois. Et là, que du vert cette fois-ci. Donc je rentre dans mes 5 tours pour la dernière fois. Je prends une bande que je passe à l'intérieur et que je ramène sur mon crochet. Ensuite, je prends une bande verte et je passe le tout à l'intérieur. Tout ce qu'il y a sur mon crochet, je le passe à l'intérieur. Voilà. Donc là, je vais prendre cette partie-là. Je vais rentrer ici dans mon repère, qui est ici. Là où j'avais mis la bande noire. Donc je peux l'enlever d'ailleurs. Je prends ces quatre traits de vert. Ensuite, je prends une bande verte et je passe le tout. Ah, celle-là aussi, les catastrophes. Je passe le tout, tout ce qu'il y a sur mon crochet à l'intérieur de cette même bande. Ensuite, je ramène l'autre côté sur mon crochet. Donc là, je vais faire une petite chaînette. Je vais faire ça 3 ou 4 fois. Je sais plus trop. Faut que je vois. Donc là, je prends une bande que je rentre à l'intérieur. Je fais ça une troisième fois. Hop. Attendez, je sais. Quatrième fois. Je sais plus si c'est 4 ou 3. Donc je vais regarder. Donc bon, je vais faire une chaînette de 4 bandes. Ensuite, je rentre ici, donc dans cette partie-là. Vous avez deux traits. Donc une partie extérieure à côté de la chaînette, à gauche de la chaînette. Je rentre ici. Et je vais prendre une bande et j'effectue un nœud. Donc je prends une bande. Je passe le tout à l'intérieur. Donc ma petite chaînette aussi. Je ramène sur mon crochet. Je prends la bande arrière. Et je passe à l'intérieur pour effectuer un nœud. Donc là, je peux serrer assez. Donc vous avez le petit haut de la couronne, excusez-moi. Donc cette partie-là, soit vous pouvez la cacher. Moi, je vais la passer autour comme ça. Quoique. Non, je vais la cacher. Donc je vais me placer derrière. Yep. Et je vais cacher cette bande. Par contre, ça va pas tenir super bien, je pense. Alors après, vous pouvez soit prendre votre machine, soit ne pas la prendre. Je vais la prendre, par contre, pour vous montrer comment faire le petit nœud rouge. Vous pouvez aussi le faire sans machine. Il vous suffit de prendre 3 bandes rouges. Vous placez où vous voulez sur la machine. Vous placez 3 bandes rouges. Ensuite, vous prenez une bande rouge. Hop. Vous passez votre crochet intérieur. Vous prenez la bande rouge. Oula. Comme ceci. Vous la ramenez sur votre crochet. Vous prenez la bande arrière que vous passez par-dessus la première et vous effectuez un nœud. Donc ça peut se faire aussi sans machine. C'est juste un peu plus dur. Vous faites un nœud. Ensuite, vous détachez le tout. Vous obtenez votre petit nœud. Vous rentrez ici derrière au centre à peu près de votre couronne. Je vais y arriver. Donc je sais pas si c'est à peu près au centre. À voir. À peu près là. Bon, j'ai ma bande qui se barre. C'est pas grave. Donc je prends la partie rouge ici du bout du nœud là. Que je passe à l'intérieur sans prendre de vert. Ensuite, je prends cette même bande et je la passe autour de la partie verte. Donc normalement, avec ça, ça devrait tenir. Donc vous la placez comme ça. Si ça tient pas super bien, ah ouais, vous pouvez passer le nœud à l'intérieur aussi. Du coup, ça tiendra encore mieux. Et voilà, vous obtenez votre petite couronne. Donc par contre, je vais cacher la bande verte qu'on voit ici, enfin si j'y arrive. Parce que comme c'est pas super serré, la bande tient pas quand on la cache.
D'ailleurs, je sais pas où elle est passée. Bon, j'ai essayé de la cacher. Voilà, et vous obtenez votre petite couronne que je trouve assez sympa. Donc après, vous replacez les petites bandes rouges, vous tirez un peu pour que ça se place bien. Moi, je trouve ça assez mignon, je sais pas vous si vous aimez. Ça fait une jolie décoration. Voilà, j'espère que le tuto vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Donc je pense que ce sera pas forcément le dernier tuto de Noël Rainbow Loom. Je verrai si je peux faire encore d'autres choses. Voilà, ciao ciao!